السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودقشير. اليوم أنا 18/01/2015 الدقشير. Bonsoir, messieurs, dames, nous sommes le 18/01/2015. المرة هذه على هذا التسجيل المصورة والمسموعة أعيني نتكلم على تركيا. تركيا والنظام السياسي التركي اللي مسير الطيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية وحزبه حزب العدالة والتنمية، وعلى كل حال ارتباطه مع هذا المنظمة الإرهابية داعش. Je veux parler un petit peu de cette connivence totale entre le parti de l'AKP, c'est-à-dire de la justice et du progrès, dirigé par l'actuel président de la République turque, Tayyip Erdogan, et donc sa connivence totale avec ce mouvement terroriste Daesh. Je commence donc la lecture de mon article sans tarder. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette organisation terroriste du nom de Daesh, du jamais vu, organisée en entité imposante sous la protection de la Turquie, de Tayyip Erdogan, pendant que les États de l'Europe occidentale, réunis pour leur défense sous l'égide de l'Alliance Atlantique, dont fait partie la Turquie elle-même, souffrent déjà d'attaques qualifiées de terroristes dans leurs capitales respectives, donnent du fil à retordre dans les relations entre les gouvernements de cette même Europe avec le gouvernement de la Turquie. Comme les aspirations d'Ankara et d'intégrer la communauté européenne en tant que membre à part entière, dans le même temps, elle soutient le terrorisme en République arabe syrienne, en Irak, en Libye. Les profondeurs de ces liens qui relient le parti de la justice et du développement turc de Tayyip Erdogan avec les organisations terroristes. Selon les témoignages d'un jeune Britannique qui combattait dans les rangs du terrorisme de Daesh, fut interné dans une prison en Turquie, affirmer combien il fut bien traité durant son internement, ajoutant que lui et ses pareils ne faisaient qu'attendre des ordres du commandement de Daesh d'aller exécuter des attaques terroristes en Occident européen. C'est donc au sein de la Turquie, jusqu'au cœur de l'Europe, rien que silence sur silence de ce fait clair du rôle de la Turquie qui continue d'avoir cours, d'utiliser les organisations extrémistes pour réaliser des buts politiques, économiques. La question est jusqu'à où et jusqu'à quand les gouvernements, les peuples d'Europe vont se taire après que déjà des attaques terroristes se font jour dans leur capitale même. Ankara peut-elle continuer ses jeux dangereux sans réaction interne des autres partis politiques turcs avant que les États-Unis ne décident de changer les têtes dirigeantes politiques en Turquie? Naturellement, ses opposants turcs sont tellement séparés les uns des autres qu'ils ne constituent aucun problème pour le pouvoir de l'AKP en Turquie. Tout le long de cette bande de frontière entre la Turquie et la République arabe syrienne, l'activité intense de cette organisation terroriste Daesh
la plus dangereuse au monde, se déroule avec l'aval des autorités politiques et militaires turques. Les éléments affiliés à Daesh mènent une vie tout à fait ordinaire sur le sol turc, en plus d'un soutien qui ne demande même plus d'épreuves pour le montrer. Le témoignage d'un jeune Anglais du nom de Jebet Suleiman, selon le Times britannique, qui a été relâché selon les derniers accords entre la Turquie et Daesh. Durant sa détention, Suleiman déclare avoir été traité par les gardiens de prison avec beaucoup de respect. Lui et ses compagnons pouvaient utiliser les réseaux Internet pour communiquer avec leurs amis, leur famille et les autres compagnons sur le terrain des opérations, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Ces preuves, et elles sont diverses et multiples, n'empêchent point la Turquie de nier ses liens avec la mouvance d'Al-Qaïda, Daesh, Jabhat al-Nusra. Al-Qaïda, les frères musulmans, Ansar al-Shem, etc. Tout ce témoignage de Suleiman expose la Turquie, du parti de la justice et du développement, dans une position peu enviée, spécialement lorsque le ministre de l'Intérieur turc a reconnu le passage de la terroriste Hayat Boumediene par la Turquie vers la Syrie, sans aucune difficulté, après qu'elle a fui la France ou l'attaque d'une épicerie cachère à Paris, dont l'avenue du trône, faite par son compagnon membre de Daesh et qui a fait 4 morts israélites tués dans cette épicerie cachère, lui-même fut tué par la police française. Cette situation désagréable ressentie par Tayyip Erdogan et son parti le pousse à aller encore plus de l'avant. Au pire, puisque le premier ministre turc relance encore l'idée d'une zone d'exclusion aérienne tout le long de la frontière turque avec la République arabe syrienne. Ainsi, le rôle joué par ce parti politique turc fait plonger la Turquie de plus en plus, jour après jour, dans une isolation régionale et internationale, ne lui laissant aucun ami que les organisations terroristes qui agissent à ses frontières pendant qu'elle est dans une véritable guerre diplomatique avec l'Union européenne pour cause d'atteinte aux libertés d'expression, d'emprisonnement de journalistes turcs, d'opposants turcs, de manifestants turcs contre la politique de Tayyip Erdogan. Ainsi qu'avec les États-Unis qui l'ont vu refuser d'intégrer la coalition organisée par eux contre Daesh. Une coalition comique, en plus du scandale de corruption multiple des proches de Tayyip Erdogan et de son propre fils. Aujourd'hui, le terrorisme semble se répandre en terre européenne. Quelle est la complicité des Turcs qui est prouvée par les Syriens, les terroristes eux-mêmes, les Européens aussi? Le silence européen va-t-il continuer sur cette question qui vient encore brûler l'actualité par cette dernière attaque de Charlie Hebdo à Paris, en France, ainsi que de nombreux liens en Europe et dans le monde, ainsi que de nombreux lieux en Europe et dans le monde. Ces Européens qui appréhendent avec beaucoup de crainte le retour de leur enfant, encouragés d'abord pour aller détruire l'État syrien, mais qui ne réussissant pas, leur reviennent transformés en véritables terroristes et le complice
de tout ce processus est sans aucun doute la Turquie, qui continue d'être la grande porte par laquelle la grande majorité des éléments attirés par le terrorisme passent pour la Syrie et pour l'Irak. C'est la réalité de la politique menée par Tayyip Erdogan et son gouvernement à couleur parti de la justice et du développement. C'est elle, la Turquie, qui a été à l'origine de la création de Daesh. Et sans Tayyip Erdogan, il ne pouvait y avoir d'Abu Bakr al-Baghdadi, puisqu'il a été son formateur, son guide et celui qui facilita cette masse de candidats au terrorisme d'Europe de passer vers la Syrie et vers l'Irak. Si aujourd'hui il y a cette masse de candidats au terrorisme d'Europe vers la Syrie et vers l'Irak, ainsi que des dizaines de milliers de Turcs eux-mêmes engagés dans cette mouvance terroriste de Daesh, et celui qui facilita en fait cette masse de candidats au terrorisme d'Europe vers la Syrie et l'Irak, si aujourd'hui il y a discussion animée entre la France et la Turquie, ce n'est point sur le rôle de la Turquie d'avoir facilité le passage des candidats au terrorisme en direction de la Syrie et de l'Irak, mais de leur avoir facilité leur retour en France et au reste de l'Europe occidentale et du monde. La création de Daesh par la Turquie vient encore d'être illustrée par cette interception par la police et les gardes frontières turcs d'un convoi de camions de Turquie en direction de la Syrie, chargé de missiles divers, sous l'escorte d'agents de la sécurité militaire turque, sous les ordres directs de Tayyip Erdogan, qui aurait souhaité que cet incident ne soit pas publié sur presse. Un scandale, donc, de plus, pour illustrer la compromission de la Turquie sous Tayyip Erdogan. Le problème est que la Turquie viole les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. En fait, Daesh, comme la Turquie, comme les USA, comme les pays européens, font partie du même camp. Ce qui veut dire que cet incident à Paris contre Charlie Hebdo n'est pas une chose qui va faire changer la politique française radicalement de 90 degrés. La Turquie, comme de bien entendu, continuera à soutenir Daesh sans que les autres membres de l'Alliance Atlantique ne lui tiendrait rigueur, puisque François Hollande personnellement et son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius sont satisfaits du bon travail que font les terroristes en Syrie. Le seul reproche à la Turquie, c'est de laisser retourner des éléments européens formés dans le terrorisme à leur pays d'origine lorsqu'ils sont devenus si dangereux. Compte tenu de la présence de nombreux éléments Daesh sur le sol turc même, la comédie que joue la Turquie de n'être pas d'accord avec les USA et leur coalition comique de lutte contre Daesh n'est que pour calmer ces éléments potentiellement terroristes de se mettre à faire du terrorisme en Turquie même. De plus, l'économie turque est désormais basée sur le vol, sur le pillage que lui livre Daesh. Les fonds financiers de cette entreprise terroriste Daesh sont naturellement aussi saoudiens et qataris. C'est donc au niveau international, vu par les Occidentaux, une tentative de rendre légal le terrorisme, puisqu'il est économiquement rentable pour eux. Ce terrorisme devient donc un moyen pour parvenir à des gains économiques au niveau mondial pour le camp impérialiste américain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.